internautatrice et internautateur, ici Hélène pour les jeux du signe. On se retrouve sur l'accès anticipé de Silence of the Siren, troisième épisode de cette découverte. Donc on commence à avoir une armée sur notre perso principal qui tient un tout petit peu la route. Je vais essayer de m'attaquer cette armée là. C'est du T6, ces troupes là c'est du T6 ou T7. C'est pas une unité que j'ai trouvé hyper efficace comme je l'ai joué. Mais j'imagine que c'est un peu comme l'artillerie que vous avez vu à l'épisode précédent. C'est pénible quand on joue contre. En tout cas, c'est ce que je vais voir. Il me reste 3 artilleries à recruter. Ça attendra la fin du tour. Enfin, le tour prochain. Tac, hop. Et je peux rien recruter. Bien. Allons voir ce que ça donne, hein, ce petit combat-là. Ah, ils sont des clones d'eux-mêmes. Et bien c'est ce qu'on appelle prendre super cher. Ah, et puis c'est hyper résistant. Ah oui, il aurait fallu que je les cible, elle. Oh la vache, oui, ça, ça fait partie des spécificités de ce jeu. Quand on attaque plusieurs unités, ben, elles répliquent toutes. Bon, j'ai pris super cher. J'ai pris super cher. Bien. Tireur d'élite 2, des causes de. Tireur d'élite 2. C'est du passif. Ressources ramassées.
Hop, toi tu peux rester là. Est-ce que je peux construire toile de défense? J'en ai rien à secouer. Non, c'était pas une connerie. Augmente la défense des unités bio. Bah oui. J'ai quand même surtout des unités bio. Non, ça c'est quoi? Classification unité tech. Bio. Bio. Tech. Bio. Ok. Alors, ça c'est un danger faible. Qu'est-ce que ça va me libérer? Les commandants peuvent apprendre la... en visite peuvent apprendre la capacité tech de leur choix. D'accord. Intéressant. Dégâts négligeables, dégâts négligeables. Ça c'est quoi? Celui-là il se soigne. Ça a l'air gros. Ça, il me semble me souvenir que c'est des sapins. Là, il me faut les fondations pour la suite. Je pourrais au prochain tour. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça aussi. Qui me permettra de générer davantage de gris et de bleu. Et dont j'aurai besoin de toute façon tôt ou tard. Et ça fait quoi? J'ai 6 mortiers supplémentaires. Ouais. Je sais pas si c'est celle dont je suis le plus fan, mais. Là, il me manque les fondations aussi. De toute façon, il faut que je le fasse tôt ou tard. Ok. Allez. Je prends pas trop cher. D'accord. Donc là, c'est attaque gratuite pour lui. Peut se téléporter n'importe où sur le champ de bataille, recharge de tour. Ouais. Il va sortir là. De toute façon. Ah non, putain, il peut pas sortir du coup. C'est tellement naze. Ah ouais, du coup, je peux rien faire quoi. Ça c'est fait. Il va me boire le gueudin. Hop, une petite grenade tox. Et puis bah je vais prendre cher des 7. Alors, qu'est-ce que je vais prendre réparation histoire de réparer des unités, hop, des ressources, et puis on va aller chercher. Rien d'insolite aujourd'hui. Alors, voilà, on va recruter. Là, il m'en faut 10, je les ai pas du tout.
Là, pour apprendre les capacités à distance, oui, c'est bien, mais c'est pas plus. J'aimerais bien attendre de pouvoir faire ça, mais ce sera plus tard. Qu'est-ce que je veux? Je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. 1750. 1500. Je peux quasiment tout prendre, mais pas tout à fait. Hop. Bien. Alors, j'en ai trois qui attaquent au cac. Mais non, merde. Ah, je me suis planté. Bon, ça c'est une erreur. Les objets non équipés. Bon, on recharge. On recharge. Sauvegarde auto. On est le combien? C'est ici. C'est buggy. Donc, nous disions. Les mêmes mais en mieux. Je vais recruter par menti. Donc, dans le bon sens, c'est comme ça que ça se passe. Attends, je voulais aussi modifier l'ordonnancement des troupes. Comme ça, le soit au centre, non, même comme ça. Alors, je peux diminuer. Hop, ça c'est très bien. Ça fait que ces distances ne peuvent pas tirer. Les deux, il y en a un qui pourra tirer. Et lui, on sera au prochain tour. Sur qui tu vas tirer, toi? Lequel des deux? Je sais pas pourquoi il tire jamais sur mon snipe. Je veux pas dire que ça me déplaît, mais. Ça sert à rien. Bon. Très bien. Voilà. Et c'est fini. Bon. J'ai pas fait beaucoup de combats sans perte. Pas booster le moral. Et... Dernier tour. Négligeable. Ah. Nodule énergétique, ça booste. Alors, tac. Non, clic gauche. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je peux le faire une seule fois. Oh, 174 points. Il se déplace jusqu'au prochain tour, jusque-là, très bien. On ne touchera pas. Je fasse pas de bêtises. Ouais, bah non.
moins 2. Moins 1. Je charge. Ok. C'est le problème quand on connaît pas les adversaires. Donc, F5. Se déplacer et tirer. Quand ça tire pas qu'un peu, quoi. Bien les patriotes. Il a rien compris ce qu'il a fait. Ok. Camp d'esclaves, lourdement gardé. N'importe qui peut acheter ce qu'il voit. L'offre change chaque phase, n'hésitez pas si vous voyez quelque chose. Qui vous tente, si vous l'attaquez, vous pouvez obtenir plus d'esclaves gratuitement, mais le camp est désactivé pour 5 tours. Ouais, ça me plaît et je vais le compter. Plus d'esclaves gratuitement, clairement. Allô, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, ceux-là aussi, ils attaquent en fin. Si je fais ça, ça. Oui, mais du coup, je vais pas pouvoir attaquer si je fais ça. Ce qui me plaît pas trop. Parce que ça, ça attaque une zone donnée. Mais on sait pas laquelle. Ouais, donc eux, ils vont de toute façon prendre très cher. Je le sens bien. C'est quand on perd deux troupes. Bêtement. Bien. C'est parti. Qui ont pris cher. Un peu de défense, peut-être. De défense, pour pas se faire défoncer. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Rien de mon espèce. Mais bon. Comme c'est gratos. Garde du temple. Ça s'attire, ça s'attire. Ça c'est du cac. Lesquels ceux-là? Ah non, c'est ceux qui sautent. Les autres fuient. Hop. Hop. Et souffle.
Des sous, des sous, des sous, des sous. Là, je vais le faire en automatique. D'accord. C'est plus rapide, mais je n'avais pas très peur. Ça augmente définitivement de 2 la puissance militaire d'un commandant, c'est plutôt sympathique. Toi. Ah oui, je peux plus l'utiliser. Tac. J'ai définitivement plus de mouvement. Alors, qu'est-ce que tu... Toi, tu veux récupérer ça, puisque de toute façon... L'autre, là déjà... Ni de bête, danger aucun. Toi. Danger, aucune chance aussi. Comme son nom l'indique, ce lieu grouille de bêtes de type inconnu, d'autres étaient attirés. Étant attiré chaque cycle, mais vaut ne pas trop attendre pour attaquer. Ce ne sera pas une mince affaire de les battre, mais vous pourrez en retirer un artefact ou équipement aléatoire, plus des ressources ou un moyen de fusion. Puis. Bon. On essaie de pas se coucher bête. Récupérer. Hop. Un tour, ouais. Alors, qu'est-ce que je peux construire? La salle de serveur, donc c'est les Thunderbots. C'est un peu de thunes. Allez, F5. Et une double, ça ne s'arrête pas. 70. Ça fait beaucoup de monde, ça. Je vais leur faire une petite tenue allégée et puis. Mais non, parce que c'est. Ils se déplacent. Ah si, ils se déplacent et ils tirent. C'est vraiment le dernier qui... Bon. C'était un test. Hein. C'est même pas d'aller, la peine d'aller où. Sauvegarde. Là, la quick save. Dans les sauvegardes auto. Comme de toute logique. Donc ça, clairement, j'ai pas l'armée pour m'en occuper. Ça, c'est fait. Allez, je peux y retourner.
j'y suis allé là, en visiter. Hop. Et on a dit qu'on construisait donc le port. Pour gagner plus de cash à chaque tour. Pandémie, unité recrutée. Formidable. Formidable. Oublier, désactiver, améliorer, qu'est-ce que j'ai oublié? Académie technique, allez, truc de trotteur. Tiens, j'avais même pas vu. J'avais une tour de guet, mais j'en ai pas vraiment besoin. De toute façon, c'est du cul-de-sac, donc la suite, c'est forcément au sud. J'ai nettoyé le nord. Alors, dans notre fondation, on peut construire trois labos qui donneront soit des trucs tech, soit des trucs bio, soit des trucs globe-trotteurs, j'imagine. Mécénat débloque le possibilité d'acheter une nouvelle capacité. Ok, téléporteur, passer instantanément d'une base à l'autre, mais pour ça il faut en avoir une deuxième. Génère un biomasse et un radiance, c'est cool ça quand même. Je vais peut-être attendre d'avoir fait mes recrutements pour l'acheter. Donc, on va partir sur l'entraînement. Donc là, comme j'ai construit l'académie, ça permet d'avoir des compétences supplémentaires. Je vais pouvoir tout recruter. Ouf. Bah oui, mais en même temps, il n'y avait pas grand-chose à recruter. Du coup, j'ai pas assez pour le synthétiseur. Ah oui, mais si, je vais pouvoir. J'ai plein de trucs à revendre. Hop. Hop, allez, plus de biomasse comme ça, c'est bien. Alors, maintenant on va pouvoir s'intéresser un peu au sud. Ici, il me dit que c'est faible. Je vais quand même prendre cher parce que c'est des unités qui tirent. J'ai vraiment besoin d'y aller, ça donne quoi? Camp d'entraînement, ça c'est rigolo, je vais rentrer. Mais je vais prendre cher. C'est par là avant. Oh bah tiens, je vais attaquer histoire de récupérer plus de ressources. Ça sera désactivé, mais c'est pas bien grave. Ça, j'aime bien aussi sa compétence à lui. Sentinelle qui fait qu'il va attaquer tout le monde, tous ceux qui approchent. Et là, en l'occurrence. Ah, si je peux utiliser ça. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression que je pouvais pas l'utiliser à proximité, mais en fait, complètement que si. J'ai pas vu. Ce qui sort 27 biomasse. Wow. Ah ouais. Ok. Tac. Ici. Ah bah oui, j'ai pas la possibilité à prendre mon tech. Donc. Améliorer. Là, je peux aussi aller récupérer des ressources. Allons-y. Et fin de tour.
se forme selon le niveau de lumière. Je suis quand même assez curieux de voir les différences. Mais je sais que je risque de prendre cher. Des tireurs, des airs de désert jour. Sans ceux qui rechargent leurs cristaux, ils ne peuvent plus tirer leur rayon d'énergie. Ah! Donc en fait, il faut les attaquer de nuit. Même si leur colère renforcée par les cristaux rétractés, tous les chasseurs sont d'accord pour affirmer qu'une proie qui ne balance pas de rayon en riposte est bien plus facile à chasser. Ok. Donc, je vais pas la combattre maintenant, je vais la combattre de nuit. Hop, 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 hop. Je vais attendre un autre moment pour le faire. Ici, je pourrais l'améliorer. Non, j'ai pas besoin de l'améliorer, c'est lui que j'aurais besoin d'améliorer. 4000, je les ai, donc je vais le faire. Là, je vais aller choper cela. Même si là, techniquement, je suis assez tranquille pendant un certain nombre de tours. Tiens. Oui. Elle, plutôt. Allez, celle des serveurs, celle de serveurs. Ah, celui-là par contre, il demande de la radiance et du uranium. Je vais commencer à en dépenser avec eux. Là, ceux-là, c'est maintenant qu'il faut les combattre. Merci. Cristallin de nuit. Eh oui. L'art du désert. Ouais, c'est maintenant, ça va être nettement plus simple. C'est bizarre cette animation. C'était pas beaucoup de dégâts, ça. C'est pas très très fort. Ça servait à rien, moi. Je l'ai quand même fait. C'est bien. C'était plus simple. Ça fait ça, puis au souhait, à un commandant une fois par cycle, tant qu'il souhaite un objet aléatoire. Pour le prochain cycle. Ça les yeux sur les sous. J'ai quand même encore pas mal de trucs à construire. Là, c'est les ressources 10 000 et 5 000 pour ça. J'ai besoin de 4000 ici. 3600. Ah, c'est elle qui coûte moins cher. D'accord.
le fait d'avoir l'amélioration de maçon, ça sert pas pour notre propre camp, mais ça sert pour améliorer les mines. Je vais lui faire apprendre un autre truc tech. Avantage d'une unité disponible dans les bases. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Vous n'avez aucune idée si votre souhait est exaucé ou si vous avez pillé la cachette de quelqu'un d'autre. Vous avez gagné ce qui suit, champ de force. Ça va prendre le champ de force, c'est dommage, je l'ai déjà. Ah ouais, est-ce que ça me permet de l'améliorer? Et non. Dommage. Ouais. Je vais pouvoir construire du bio. Et ensuite, je vais plus avoir de sous. Génération. Alors, les Thunderbolts. Pas tous les recruter, ça coûte trop cher. Ah ouais, 800 pièces. Yeah. Mmh. 13 et 9. Allô. Là du coup je peux en recruter 4. Ça c'est quand même sympa. J'aime beaucoup leurs grenades. Ils sont quand même assez efficaces. J'ai quand même plus de mal. Et aussi... Qu'est-ce que je vais prendre? Là je peux en prendre 3, là je peux en prendre 2. Bref, allez. Là je vais abandonner cela. Et comment est-ce que je vais organiser mes unités? Comme ça. Comme ça. C'est que là ils vont me faire mal alors que ce sera tellement innocent. Waouh, putain, cela, heureusement que j'ai aucune obligation de les combattre. C'est plutôt une bonne chose. Ça, je pourrais l'améliorer, mais du coup, ça me coûterait un peu cher. Et si lui il améliore, ce que je vais attendre un peu. Descendre. Hop. Non, je vais faire
On va récupérer lui. Il me coûte 2000, j'ai 2005. Je préférais recruter mes unités. Tac, 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 tac. C'est ça le prix. Et ici. Là, au passage. Un petit level up. Niveau 10 ici, explorateur niveau 3. Plein de points de mouvement. À croiser un commandant allié rend 6 points de mouvement une fois par phase. J'avais pas vu ça. Comme principe. On va fry. Un troupeau de pièces d'or. Ça, Bill, une fois par cycle, je prends. Ouh, la richesse. Tiens, ici je vais utiliser mon petit consommable qui sert pas à grand chose. Ça sert vraiment à rien, on peut le dire. L'avantage c'est que je pourrais retourner au prochain tour. Ah, et je peux améliorer les Thunderbolts. Les 10 000, j'en suis assez loin quand même. Pour l'améliorer. Et recruter au prochain tour. Alors, tac. Donc on va recruter 2000 même pour ces deux-là. Ah, sauf qu'attends, je peux retourner et récupérer de vos mines là. Bon, chose, c'est peut-être pas dans mon intérêt. Hop, nickel. Faut lui apporter. Sauf que... Ah oui, non, il faut que je fasse un petit échange. Et... Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Son attaque encore à corps électrocute. Ouais, c'est juste des meilleures stats, d'accord. Là, si je l'ai... Ah non, c'est... le camp des esclaves, c'est ici. C'est correct.
rester un peu. De ses PV, son initiative diminue de 30%. C'était sans grand intérêt. C'est pas ouf, mais c'est mieux que rien. Je vais juste remonter pour éternuer cela. Hop. Est-ce que je peux améliorer? On améliore là. Et là, on va quand même se les faire, même si c'est deux jours. Eux, il y a moyen quand même que je fasse un peu mal. Eux, ils vont loin, c'est ça. Ils vont assez loin, mais pas très loin. Je vais attendre. De nuit quand même. J'en ai un peu marre de perdre des unités. On sait que dans un jeu comme ça, ça peut avoir des conséquences. Donc, sachant que le prochain tour, ce sera de nuit. Tant pis pour ces quelques points de mouvement perdus. Hop. Hop. Du coup, là, il fuit. Allez. Fait quand même 18 pertes. Oh, quel... J'ai pas vraiment envie de perdre ces 18 là. Il saute super loin. Super.
Caligo, il nous détruit une artillerie. Bien. Et je vais vous montrer ça et je terminerai ensuite. Camp d'entraînement, il faut. Ah non, c'est pas ça. Que soit améliorer des unités. 10% de pète effectif. Ah non, c'est pas celui que je pensais. Bon, bah tant pis. Tout ça pour pas grand chose. Eh ben, c'est pas grave. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que le jeu vous plaira. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.